Et bonjour à tous et bienvenue. Nouveau chapitre de Safwai. Alors, c'est un petit peu dommage. Ça s'entrecoupe avec The Untold Story. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Juste avant donc de commencer ce chapitre 3, évidemment, comme convenu, je vous mets le timelapse du chapitre précédent qui est resté au chaud. Je vous le mets maintenant. Voilà, après ce petit time-lapse, bon, moi ça a pris 2 secondes, hein, c'était déjà enregistré. Du coup, Spirit is forever with you, Safwai. Pour les intimes, chapitre 3, oui, si je clique dans Explode, ça va pas le faire. Et voyons un petit peu la suite de cette histoire. Est-ce que. Attendez, je vérifie juste que tout fonctionne, mais oui, tout est ok, tout est ok. Et ben, let's go!
Il y a longtemps, très longtemps, vivaient deux frères. L'aîné était un général et le cadet un alchimiste. Des vies radicalement différentes. L'aîné aimait les vaincus et les campagnes, amenait les vaincus de ses campagnes à l'atelier de son frère qui s'en servait pour ses expériences. Jour après jour, des centaines, des milliers de vies s'éteignaient. Et alors que le laboratoire débordait de cadavres animés et de chair morte, les deux frères perdirent soudainement la vie. Les âmes, si longtemps rongées par la souffrance et la haine, furent libérées de leurs chaînes et une monstruosité appelée Holo naquit. Dans le Hueco Mundo. Oui, je vois une copie. Alors, dire que je suis une image résiduelle enfantée par le savoir de Sayel Apoorou Grant, cela signifie que je n'ai plus besoin d'être lié à Sayel Apoorou. À qu'il est rafraîchissant de penser que je n'étais pas moi-même. Pourquoi ai-je voulu m'abandonner? Pourquoi vraiment? Bien, quête suivante. Donc on serait sur l'origine des Holos en fait. Carrément, l'origine de... Ok, bon. Didi, c'est quoi ça? C'était fou. C'est ça, un grand Raicelo. La classe Grimjo aussi en a fait un la dernière fois. Ah, on l'avait jamais vu cette Picarou-là. Sauf que Grimjo, il est pas sage. Maître Aizen lui avait dit de ne pas le faire dans la maison. Et pourtant, il l'a fait. Allons, c'était un simple cello, ce que je viens de faire. Comparé à Sayel Apoorou Grants, au fait de sa puissance, c'est environ 30%. Alors ça, c'est bizarre. C'est comme si vous n'étiez pas Sayel Apoorou, monsieur. C'est cela. Quoi? Pour l'instant, je ne suis pas encore Sayel Apoorou Grants. Je vais bientôt le devenir, Sayel Apoorou, ou non, plutôt un être qui le dépasse encore. Moi, je comprends pas bien, vous êtes qui alors? Voyons, appelez-moi Sen, Sienne pour 100, et maintenant, poursuivez le jeu. Sienne, quel drôle de nom. Bah, on s'en fiche. Allez, on se sépare d'à côté. Ceux qui jouent avec Monsieur Sienne et les autres, ceux qui vont chercher Mademoiselle Roca. Ce pouvoir que j'ai ressenti lorsque j'ai affronté Mayuri Kurosuchi, pas de doute, c'est un aperçu de la puissance de Sayel Apoorou avant qu'il soit séparé de son frère.
Si je peux récolter les matériaux perdus et les intégrer à ce corps, je pourrais récupérer mon pouvoir complet. Excusez-moi, j'ai besoin de tousser. Et alors j'aurais récupéré mon pouvoir complet, j'anéantirais ce misérable outil avant qu'elle n'arrive à l'essence du pouvoir des fils, afin aussi de ne pas faire la même erreur que ça y est la Poro. Les particules spirituelles se séparent. Oui, utiliser un cello dans le corps, dans ce corps accélère la décomposition. Bah, j'ai amplement le temps. D'accord, on a déjà un petit peu plus de vues sur les Picaros parce qu'on les avait pas tous vus. Et on sait pas vraiment d'où ils sortent. C'est des holos, mais enfin, c'est même plutôt des arrancars, mais c'est pas grand-chose d'eux en fait. C'est tous ensemble qu'on joue à pierre-feuille-ciseaux, suis un peu. Dites, ça irait plus vite si on tirait au sort. J'ai faim. Car j'ai ici quantité de rations d'urgence pour m'approvisionner en particules spirituelles. D'accord, ok. Et on approche déjà des 10 minutes et on a fait que deux quêtes. Hein. Ok, cinématique. Dans la Soul Society. Ah là là, c'est bien ennuyeux tout ça. Capitaine Kuraku. Capitaine Komamura, qu'y a-t-il? J'ai quelque chose à te demander. Cet homme, ce Kenpachi Azashiro, pourquoi s'est-il révolté contre la Soul Society? Certes, il a proféré des propos dangereux, mais il ne m'a pas donné l'impression d'être franchement malfaisant. Alors ça, on avait vu, hein. Azashiro peut suivre cette conversation comme toutes les autres. Alors je suis un peu gêné d'en parler. C'est pour la même raison qu'il s'est évadé de prison. Il s'est révolté au nom de la justice. Quoi? La voie, les principes de la Soul Society et du monde des humains. Je n'ai jamais rencontré un Shinigami aussi dévoué à la mission des Shinigami. C'est ce qu'il a dit lui-même, oui, mais alors pourquoi cette révolte? Ce qui était juste pour la Soul Society et le monde des humains ne coïncidait pas avec ce qui était juste pour le Seireitei et le Rokugai. C'est cela, tout simplement. Car la définition de la justice diffère en fonction des individus. Tu le sais mieux que quiconque, n'est-ce pas? Ah, excusez-moi, on va devoir vendre un petit peu de personnages. Voilà. Ok. "249 ans plus tôt, dans la Soul Society. Tu es le premier à avoir su bloquer ma hache, mais mon prochain coup, hein, tu vas voir ça." Eh ben quoi, il est plus là. Alors bon, nous avons bien fait d'attendre dehors au cas où. Nous avons eu raison de t'attendre ici quand nous avons appris que tu étais apparu sur la route menant à la porte de la Voie Blanche. Si vous êtes en accord avec mes idées, alors je vous demande de m'aider. Si vous êtes en désaccord, je vous conseille de ne rien faire. Ce ne serait qu'une dépense vaine d'énergie spirituelle. En accord avec tes idées, c'est impossible, voyons.
prendre tous les habitants du Rekongai jusqu'au dernier et les envoyer envahir le Wekomundo. Allons. On peut qualifier cela d'excessif, non? D'ailleurs, pour parler franchement, je suis soulagé que le Central 46 ait décidé de s'opposer à tes actes. Alors attends, c'est quoi ce délire? Il veut... En gros, son idée, c'est tous les habitants du Rekongai, donc les pauvres, hein, je rappelle que c'est plus ou moins le tiers état, hein, clairement, dans le truc, soit en fait envoyés au Wekomundo pour se battre. C'est de la prescription, quoi. Enfin, c'est de la conscription. C'est ça, c'est comme ça qu'on appelle. Quand on demande à nos citoyens, quand un pays demande à ses citoyens de prendre des armes pour défendre la patrie, on appelle ça la conscription. Hein, c'est bien ce qui. Si je dis pas de bêtises. Et donc, c'était ça son idée. Alors, pour connaître un petit peu le sujet, je vous le dis tout de suite, ça marche pas. La Première Guerre mondiale, la conscription était encore appliquée en France. Et le problème de la conscription, c'est certes, ça fait un grand nombre de soldats, mais c'est pas des soldats qui sont professionnalisés. Donc en fait, c'est des soldats bah, qui psychologiquement tiennent pas le choc sur le champ de bataille, ne suivent difficilement les ordres et comprennent difficilement les champs de bataille, les plans de bataille. Bref, c'est une armée. Faire de la conscription, c'est avoir une armée non professionnalisée et donc une armée médiocre qui est destinée à servir de chair à canon et où les pertes humaines sont juste aberrantes. Voilà, donc si c'était ça son idée, c'était vraiment une idée à la con. Je vous le dis tout de suite. Enfin, voilà. C'est pour ça que. Juste deux mots là-dessus, mais quand le service militaire a été aboli en France, justement, c'était pour mettre fin à la conscription. C'était pour mettre fin au fait que les citoyens pouvaient être appelés sur le champ de bataille à tout moment. C'est en ne donnant plus de formation militaire de base obligatoire, la conscription ne pouvait plus s'appliquer. Parce qu'évidemment, il y avait quand même un petit peu de service militaire avant, et c'était ça qui servait en fait à faire de la conscription. Quand on faisait son service militaire et que le pays rentrait en guerre, eh ben oui, tu pouvais quitter ta. Comment dire le maire pouvait venir te voir et te dire, eh ben, t'es appelé au. Pouvait venir te chercher dans ta ferme et te dire, bah écoute, demain, t'es au front. Voilà, c'était dramatique. Voilà. Donc si c'était ça son idée, et il me semble que ça s'appelle la conscription, hein, j'ai un doute, je vais juste vérifier, mais si c'était ça son idée, on est là pour discuter voilà, hein, je prends un petit peu de temps là-dessus, conscription, parce que, bon, voilà, au moment où on parle, il y a les élections présidentielles prochainement. C'est ça, la conscription au service militaire obligatoire et la réquisition par un État d'une partie de sa population afin de servir les forces armées. C'est ça. Donc c'est bien ce que j'ai. Définition Wikipédia. Voilà. Si c'était ça son idée, c'était vraiment débile. Et c'est pour ça que le service. Tous ceux qui vous disent. Enfin, voilà, il y a les élections présidentielles prochainement. Alors, j'entends pas beaucoup parler de cet argument-là, mais les gens qui veulent rétablir le service militaire en France, c'est une stupidité. Dans le passé, alors, ça peut servir à armer le pays, certes. Hein, la Suisse, par exemple, est un exemple là-dessus, mais la Suisse est neutre, c'est-à-dire qu'ils rentrent en guerre avec personne. Donc en soi, voilà, la défense du pays peut être assurée par les habitants parce qu'ils sont tous. La conscription a toujours lieu en Suisse. Mais en vrai, si un jour, pour X raison, la Suisse rentrait en guerre, les pertes humaines seraient colossales. Du côté de la Suisse, hein, du côté des pays qui appliquent la conscription. C'est parce que l'armée n'est pas professionnalisée. Ils ont des rudiments de base. Et ça ne suffit pas. Voilà. Juste, voilà. Bon, donc il y a un poil de politique dans ce que je raconte là. Mais si je peux vous donner un conseil, après vous faites ce que vous voulez. Ne votez pas pour des gens qui veulent rétablir le service militaire en France.
On vous argue l'argument de la rigueur, le respect de l'ordre, ce genre de choses. Oui, mais dans un autre sens, ça peut tourner à l'horreur. Et c'est déjà tourné à l'horreur dans le passé. Donc, voilà. Juste pour information, voilà. D'ailleurs, pour parler. On va passer à la suite. Voilà. C'était juste une parenthèse sur. Voilà, parce qu'il s'agit de la politique que voulait mener ce personnage-là, à Asazuno, ça, je sais plus. En même temps, le Central 46, où le comportement en chef, où le commandant en chef avait approuvé tes projets. Aussi, je pense que tu me trouverais tout de même en travers de ta route. Le Central 46 ne peut arrêter le Kenpachi. Tout est prêt pour la reconstruction de l'ensemble des habitants du Rekongai. Si l'on ne m'y aide pas, cela prendra du. Attendez. Tout est prêt pour la reconstruction de l'ensemble des habitants du Rekongai. Si l'on ne m'y aide pas, cela prendra du temps, mais je le ferai seul. Alors, c'est peut-être plus complexe que ce que je viens d'expliquer. Mais moi, de ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ils voulaient mobiliser, enfin réquisitionner les habitants du Rekongai pour aller se battre dans le Wekomundo. Moi, c'est ce que j'ai compris, hein. Donc, faire de la conscription. Le Central 46 est inutilement frileux. Leur décision négative est motivée par leur souci de se protéger, rien de plus. Je n'ai aucunement l'ambition de me substituer à eux. Je pensais que vous le comprendriez. C'est vrai, tu n'as sans doute pas d'ambition personnelle, et d'ailleurs, tout serait plus simple si tu en avais. Mais quoi qu'il en soit, si nous voulons éliminer les holos, il y a sans doute des moyens moins extrêmes, non? Écoute, Asashino, le problème n'est pas ton objectif, ce sont les méthodes que tu comptes employer. Ce n'est pas sur ordre du Central 46 que nous sommes là, c'est sur notre propre volonté. Quand même, c'est quelque chose, si tu es arrivé ici, c'est que tu as échappé à tous les autres capitaines. Note qu'honnêtement, si tu décidais de disparaître soudain comme tu sais si bien le faire, nous, on n'y pourrait pas grand-chose. Si avec ta prochaine phrase, tu comptes m'inviter à prendre un verre, je t'avertis que tu perds ton temps. Ah là là, tu vois clair dans mon jeu à ce point-là. Ah, bordel, je viens de comprendre. Les deux frères dont on parlait. Le scientifique timbré, c'est Sayelaporu, mais le frère conquérant, c'est le fameux ancien Kenpachi, là, c'est le fameux Azo machin, là. Je sais, j'ai pas retenu son nom, puis ça fait un bout de temps que sa foi y est sortie, donc, enfin, que est sortie. Voilà, Azashiro. Il va falloir que je retienne. Azashiro, c'est la réincarnation du frère conquérant dont on nous parlait au début de cet épisode. À mon avis, c'est ça.
Certes, notre mission est de tuer les holos et de veiller à l'harmonie entre la société et le monde des humains. Cependant, je n'arrive pas à croire qu'il soit juste de faire de tous les habitants du Rinconkai de simples outils de guerre dans ce but. Je ne suis que Raku, tu es dans le doute, celui qui est le plus proche de moi, tu adoptes une attitude nonchalante, mais en réalité, face à l'ennemi que tu as décidé d'abattre, tu es aussi dur que résolu. Et pour gagner, tu utilises tous les moyens à ta disposition. Oh, tu me surestimes largement, les moyens à ma disposition sont en nombre très limité. Ah vraiment, il me semble pourtant qu'à l'exception du commandant en chef, tu es celui dont il faut le plus se méfier, peu importe. Notre priorité absolue doit être l'équilibre de la Soul Society et du monde des humains. Tout comme les Kushanadas s'occupent sans discontinuer des prêcheurs de l'enfer. Et je vous recommande de voir Hellverse, qui est un des meilleurs films. De Bleach, même si j'aime aussi beaucoup Demon Dust Rebellion. En vrai, les quatre films seront excellents. Les Shinigami, pas le live action par contre, le live action est à chier. Mais bon, les Shinigami doivent abandonner leurs intentions personnelles et n'être que les rouages d'un mécanisme. Culture et émotion sont superfétatoire. Oh là! Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce mot, superfétatoire. Culture et émotion sont superfétatoires. L'excès d'indulgence, l'excès de haine, l'histoire de la Soul Society, que le central. Alors, superfétatoire, il me semble que c'est superflu, en fait. Je vais vérifier, mais. Superfétatoire. Qui s'ajoute inutilement à une autre chose. Luxe de détails, c'est un. Discussion, texte. Ouais, donc c'est ça. C'est qui s'ajoute inutilement à une autre chose. Donc c'est du superflu. Voilà. C'est le synonyme, c'est superflu. Tac. Garantisse évoque avec pédantisme ce que des freins qui gênent ne sont que des freins qui gênent notre mission. C'est très étrange parce que Kenpachi, donc c'est le plus puissant, hein, on est d'accord, le titre de Kenpachi revient au Shinigami le plus puissant de sa génération. Et contrairement à Azaraki, qui est une montagne de muscles, limite sans cervelle, je trouve qu'Azashiro, par son vocabulaire, est quelqu'un, enfin, me semble quelqu'un d'être extrêmement cultivé. Mais clairement, c'est ce que ça veut dire, quoi. Être pédant, c'est être hautain, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est là que nous sommes différents, vois-tu, dans les racines de notre sens moral. Oui, un jour viendra peut-être où nous serons en conflit avec les lois de la Soul Society, mais si tel est le cas, ce n'est pas aujourd'hui. Bon, je vois, dans ce cas, cessons les discussions inutiles. Tu ne disparaîtrais pas dans un nuage de fumée comme d'habitude. Qu'avec ce vent de fleurs hurle le dieu des fleurs, qu'avec le vent céleste ricane l'enfer. Côte à côte dessus. Que les vagues deviennent mon bouclier, que la foudre devienne mon sabre. Bon, ils sortent leur chikai. Cela ne sert à rien. Et c'est pour ça que Sayelaporu l'a fait libérer.
C'est parce que ce sont la Sayalaporo et lui sont la réincarnation des deux frères. C'est pour ça que Sayalaporo. C'est on a enfin l'explication de pourquoi je. Si c'est ça, hein, si ma théorie est exacte, on a l'explication de pourquoi Sayalaporo a libéré avec la rancœur araignée, je l'appelais comme ça. Sora, c'est ça? Sokka, Sora, je sais plus le nom de la rancœur. Pourquoi il utilisait Sora ou j'ai appelé Sora pour le moment. Sora pour libérer Asashiro. Alors c'est ainsi, même le roi spirituel désapprouve mes actes. Qu'est-ce que tu dis? Très bien, je me rends, j'accepterai le procès du Central 46. Et d'où vient ce revirement soudain? Je ne tiens pas à me lancer dans des discussions inutiles. Ah oui, alors ça c'est un truc que j'ai pas compris dans la guerre de sanglante. Dans la guerre sanglante de Milan, c'est expliqué, mais apparemment il y aurait une partie du roi spirituel dans le corps de Ukitake. Mais quoi, comment il peut encore être là, lui? C'est le frère jumeau de l'autre? Non, non, c'est juste que t'y es allé un peu fort, tu l'as fait valser au loin. Ah oui, c'était ça, que ça te serve de leçon, toi? Interdiction de se bagarrer comme ça derrière la porte. Se bagarrer? J'ai procédé à une démonstration afin de faire comprendre qu'il était vain de me poursuivre. Pour cela, j'ai un peu malmené un certain nombre de soldats. Hélas, un vendeur de la libellule d'argent a été pris dans la mêlée et blessé, la faute à ma maladresse. Une fois la gravité de ses blessures déterminée, je lui verserai un dédommagement dès que possible. Aujourd'hui dans la Soul Society, pourquoi un homme tel que lui s'est-il laissé arrêter ainsi? La division 0. La nouvelle s'est répandue que la division 0 allait agir pour appréhender Asashiro. Ça alors? C'est comme le dit Yoruichi, Asashiro est conscient de tout ce qui se passe au Seireitei. C'est sans doute à cet instant où il nous a tourné le dos pour observer le Seireitei que la division 0 est arrivée. On peut dire que la mise en scène lui ressemble bien, mais cela nous rappelle aussi que la division 0 est réellement dans une autre dimension. Mais en y repensant aujourd'hui, le fait qu'il n'ait pas disparu, qu'il ne soit pas enfui à ce moment-là, est peut-être significatif. S'il était vraiment tout-puissant, il aurait pu en un instant fusionner avec le Rokugai et remodeler tout le monde. Et s'il ne s'était agi que d'échapper à la division 0, il aurait peut-être pu le faire. Cela signifie que même son pouvoir a des limites. Alors, en même temps, tous les pouvoirs ont des limites. Mais si la Division 0 possède un tel pouvoir, pourquoi n'a-t-elle pas agi lors de l'affaire d'Aizen? Je pense qu'il y a une multitude de raisons. Déjà, ils ont peut-être jugé que le problème pouvait être réglé par les 13 divisions. Peut-être ont-ils préféré se concentrer sur la protection du roi spirituel en supposant qu'Aizen parvienne à fabriquer un Hokken. Et n'oublions pas que nous sommes certainement incapables d'imaginer les intentions du roi spirituel que nous n'avons jamais rencontré ni même aperçu. Le roi spirituel et la division 0 sont sans doute leur propre, ont sans doute leur propre vision de ce qui est juste. La justice de Soul Society, il fut un temps où nous nous apprêtions à accepter l'exécution de la petite Rukia selon les ordres du Central 46. Dirons-nous que c'est là la justice du monde? Inversement, Asashiro, qui pensait plus que tout autre à assurer l'équilibre de la Soul Society et du monde des humains, s'est vu
opposé un refus du même Central 46. Quelle ironie. Au final, la justice de la Soul Society repose sur une accumulation d'individus. Car c'est l'histoire qui l'a bâtie. Tout ce qui nous appartient, c'est de nous demander si nous voulons danser à ses pieds ou lutter contre elle. Il y a une autre loi érigée par une histoire entièrement à part, sans rapport avec la justesse d'une justice ou de l'autre. Je veux parler du Kenpachi. Alors, jusqu'à le truc du Kenpachi, là, c'est drôle, c'est exactement la définition d'une nation, en fait. Ça qui est drôle. Enfin, ce qu'il dit pour la Soul Society est applicable à n'importe quel pays. C'est les lois, la société est bâtie sur l'ensemble des individus qui la composent. D'ailleurs, il y a un truc comme ça, c'était Benjamin Bayard qui disait ça. Enfin, je l'ai entendu de la bouche de Benjamin Bayard, je crois pas que ce soit de lui. Mais la définition d'une société, c'est l'ensemble des interactions entre tous les individus qui composent cette société. C'est la définition d'une société. À Korakora aujourd'hui. Salut à vous, Botifu le Didi, ne craignez rien, je suis de votre côté. Ruka, c'est ça. Je savais bien qu'il y avait un truc dans le genre. Ok. Appelez-moi Don Kalonji, tout simplement. Et si vous me disiez d'où vous vient cet air si triste? Excusez-moi, qui êtes-vous au juste et que me voulez-vous? Et vous vous interrogez sur ma véritable identité, m'avez-vous dit. Il est vrai qu'on ne me connaît qu'en tant que superstar. Mon nom est Don Kanonji et en ma qualité de médium charismatique, je prête l'oreille à votre voix, à vous les souls. Mais je suis aussi un voyant extralucide qui marche à vos côtés à la recherche de la route qui mène au salut. Si je puis vous venir en aide en quoi que ce soit, je le ferai avec joie. For you, je traverserai la nuit la plus noire, je courrai à travers les cieux, et oui, je ferai même face au pire des démons, parce que telle est ma mission. Toujours dans le gigantisme. Oh. Vous avez l'air encore plus triste, Milady. Aurais-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Ou alors ma Golden Shining aura-t-elle par. Aura. Ah non, ma Golden Shining aura aurait-elle. Serait. Ah, est-elle par trop éblouissante? Je m'excuse, je suis incapable de contenir cette aura qui jaillit de moi, quelle honte! Non, non, vous n'avez rien fait de mal, c'est moi, c'est ma faute. Non, concluez pas si vite que vous êtes mauvaise, c'est une erreur. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'exprimer ce que vous ressentez naturellement en face avec votre soul. Et à partir de là, j'explorerai ce que je peux faire pour vous, car je tiens à vous offrir la plus perfecte des happiness.
Ah, Dan Kanonji, hein. Je suis navré, je ne sais pas pourquoi j'ai ce visage, cette expression. Que voulez-vous dire, Malady? Je ne comprends rien, je ne sais rien ce que je veux faire, hein, ni même pourquoi je suis ici, rien. Par conséquent, je ne sais pas non plus ce que je peux pouvoir, ce que je peux vouloir de vous. Pas de souci, Milady, il est très courant que les esprits vagabonds comme vous aient perdu la mémoire de leur vie antérieure. Il faut alors faire l'expérience de multiples situations afin de chercher et trouver le monde qui parle à votre cœur. Cette recherche de soi n'est pas un court voyage, il ne s'agit pas de ramasser quelque chose là-bas, non. Trouver ce que l'on doit être, c'est rechercher un monde, une aventure grandiose qui démarre dès maintenant. Ça va chauffer, alors ne le ratez surtout pas. Afin de trouver un nouveau soi, il est nécessaire de tourner la page. Et oui, c'est une mentale révolution, pas moins. Et quand on ne connaît pas son moi intérieur, quoi de mieux que de changer le rythme en variant l'extérieur? À cette occasion, vous parvenez peut-être à retrouver la piste de ce que vous êtes. Alors, ça c'est une question voilà, que je me pose. Les Arrancars qui obtiennent des pouvoirs de Shinigami, est-ce que comme les Shinigami, ils ont un monde intérieur? Avec leur partie de holo, résultat scellé dans le sabre, qui devient une personnalité à part entière. Ça c'est jamais dit dans l'animé, mais... Mais je me dis que c'est ce serait pas déconnant, mais bon. Parce qu'il parle de mon intérieur, c'est pour ça que je me pose la question. Mais je rêve, c'est Maître Kanonji, enfin, vous savez bien que je n'ouvre qu'en soirée. Sorry, désolé d'arriver ainsi devant l'ouverture. Ainsi avant l'ouverture, mais voyez-vous, patron, je suis sur un cas complexe. Le prix importe peu, alors préparez-vous pour cette charmante lady, une tenue bien sentie. Venez, ma lady, ne soyez pas shy, donc timide. Le patron a en matière de beauté un goût qui n'a d'égal que le mien. Sans doute. Mais... Le genre, d'accord. Mais que vois-je? C'est la première fois que j'aperçois un fantôme. Souvenez-vous, je l'ai dit et répété. Spirit is always with you. Et donc, patron, je vous en prie, m'y tenez pour cette jeune dame, une beautiful tenue qui respire l'élégance. Très bien, je ne saisis pas tout, mais habiller une demoiselle fantôme, mon cœur se stylise, s'emballe, je vais vous composer une tenue dont vous me direz des nouvelles. On n'a pas de sprite, hein, du fameux patron en question. Pardon, oui, certainement. Ah, la pauvre K, elle est complètement dépassée. Elle est complètement dépassée par les événements.
Au fait, My Lady, comment dois-je vous appeler si vous avez perdu la memory? Nous allons devoir vous donner un nom de rechange. Voyons, Elisabeth Papillon de Valois. Ou alors Caracuramelli. Oh! Roca. Alors, c'est bizarre, elle s'appelle Roca avec un C. Et là, elle dit Roca avec un K. Mais Eh, il y a du, il y a du taf là. Mais je veux dire, il y a du taf. Bon, dans le manga pour le costume, mais même en termes de dessin pour IRL, je veux dire. Je sais pas, je sais pas. Spirit as a Review, si si bah, Tikubo doit être l'auteur de ça. Je sais pas si c'est une exclusivité Kalab. Je sais pas si c'est ça a été publié quelque part. Mais en tout cas, c'est le costume est super bien dessiné. Hein. Franchement, on pourrait même voir ça dans un défilé de mode sans problème, quoi. Attendez, je regarde juste un truc rapidement. Ok. Mais ouais, le Super Sprite. Mon nom est Roca Paramia. Oh, vous êtes souvenu de votre nom, My Lady. C'est un fantastique premier pas. À partir de now, permettez-moi donc de vous appeler Lady Roca. Le pire, c'est que ça lui va bien. Et maintenant, allons, faisons le tour de la ville au bord de ma fidèle monture, ma voiture, ma Jeanne d'Arc. Admirez le paysage et de nouvelles voix s'offriront peut-être à vous. Let's go, so beautiful world, n'est-il pas? Oh là là là! D'un côté, t'as vraiment Roca qui est très très réservé, qu'ose rien dire, et t'as l'autre énergumène là de Don Kanonji. Qui est complètement surexpressif. C'est ça, on a vraiment l'extraverti et l'introverti, quoi. Roca dans le rôle de l'introverti et Don Kanonji l'extraverti, quoi. C'est... Tiens, tiens, vous voyez, c'est la boîte de Pandore, le glacier dont tout le monde parle en ce moment à Karakura. Rafraîchissons-nous, le temps, le corps et l'âme. Ne dit-on pas que les sauveurs donnent les ailes au cœur des hommes? Voilà un dessert merveilleux, perfect, terribly delicious. Que ça ne vous plaît pas. C'est agréable. Plutôt qu'agréable, vous voulez dire savoureux. C'est cela, savoureux, c'est cette sensation. Ah là là là, c'est terrible. C'est terrible. Au bout d'un moment, les gars, ça devient malaisant quand même. Ça alors, vous auriez donc oublié votre vie antérieure au point de ne pas vous souvenir de la consommation d'aliments. Mais ne vous en faites pas, il suffit de se remémorer une chose après l'autre, petit à petit. Allons, allons, dépêchez-vous de la finir, Lady Roca, ou elle va fondre. On connaît cette silhouette. La revoilà. La pression spirituelle de la femme au masque. À chaque fois, je ne sens qu'une très faible pression. Si je m'en approche, elle s'échappe et disparaît. Il doit bien y avoir un moyen de déterminer son identité. Cette fois, c'est elle qui s'approche. Et avec elle, il y a une pression spirituelle différente de celle d'un humain normal. Qu'est-ce que ce serait? Quelqu'un, un rancard poursuit que la rancard poursuit. Sauf que cette seconde pression spirituelle me dit quelque chose. Que Don Kanonji.
Alors, c'est con, je me souviens pas de la rencontre entre. Entre Uryu et Roka. Je me souviens plus d'à quel moment ils se rencontrent. On a combien là? 47 minutes, pile poil. Et bon, ok, on continue. J'ai pas regardé où on en était dans le sur le tableau, mais j'ai enfin, j'ai vu qu'on était passé à un tableau suivant. Ah oui, non, mais 47 minutes de tournage, mais il y a le timelapse avant. Bon, écoutez, je tourne, il y aura une coupure un peu brusque. Je ne sais pas, l'épisode sera certainement deux parties, mais je... Voilà. Et ma ville d'adoption, Karakura est ma ville d'adoption. Si vous voulez savoir quelque chose, n'hésitez pas, il suffit de demander. Cet homme pense-t-il vraiment que je suis un esprit vagabond? Veut-il vraiment me faire passer dans l'au-delà? Essaie-t-il de m'aider? Si c'est bien le cas, alors je suis en train de le tromper. Il n'est pas trop tard, je peux encore disparaître. Cela lui fera peut-être de la peine, mais ainsi je ne le trahirai pas plus tard. Qu'y a-t-il? Allez dire au cas, auriez-vous le mal des transports? Tout va bien, un simple vertige. Un de mes fils, quelque chose vient de... Vous êtes sûr que tout va bien, Lady Roka? Je ne peux pas l'impliquer là-dedans. Elle est assez particulière, Roka, parce que elle est pas, contrairement à beaucoup de Hulu, en fait, elle est pas. Elle est pas, comment dire, elle est pas malfaisante, elle est au contraire, bien au contraire. Elle est plutôt bienveillante, j'ai l'impression. Je l'ai trouvé. Didi, tu veux bien jouer avec nous? Il est un poil résistant quand même, le Picarou, là. Oh monsieur le médium. Elle est pas mal celle-là. Celle-là, elle est pas mal du tout. Quoi, mais alors on a perdu la course? Désolé, je ne suis pas du genre à laisser gagner l'adversaire, quel qu'il soit. Mais ne soyez pas déçus, l'horizon est à vous, les possibilités sont infinies. Et ils ont l'air de bien s'amuser là-bas. La chance, je veux y aller. Bon, quand Sienne sera là, on y va directement. Oui, c'est moi, j'ai trouvé Mademoiselle Roka. Elle était dans le monde des humains. D'accord, ah, c'est vrai. Sienne arrive tout de suite. Sienne. Oui, et quand il viendra, on jouera à écraser Mademoiselle Roka. Ça a l'air drôle, hein. Oh la vache. Boy, tu te trompes de mot. On peut jouer à écraser de la pâte à modeler, par exemple, ou plier ou du papier bulle. Mais c'est tout. Ah, écraser du papier bulle. Oh oui. Ah, ce plaisir. Lady Roka n'est ni de la pâte, n'est ni en pâte à modeler, ni en papier bulle. Que diable. Une minute. Elle pourrait éventuellement être une.
Tsukumogami, une pâte à modeler qui avait pris vie dans ce... qui aurait pris vie à son centième anniversaire. Alors là, je ne connais